Salut ma Poppy Family, c'est Poppytax, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Pokémon version rouge cheveux avec mes cheveux qui sont catastrophiques. Bon, c'est pas grave, mes cheveux on s'en fout, voilà. On fait pas attention à mes cheveux. Et du coup on est arrivé à Azuria, ça y est, on a enfin fini de lancer l'unité. Et on va visiter Azuria, on va battre tous les dresseurs dans les alentours. Et après on ira battre Ondine. Donc c'est parti. Je suis une encyclopédie sur les Pokémon, pas mal, pas mal du tout. Si ce Flagados n'était pas là, tu pourrais couper ces arbustes. Comme ça, tu pourrais passer de l'autre côté. Mais il doit bien y avoir un autre moyen de passer. Bah oui, on ne peut pas rester enfermé à Azuria, voyons. Alors, hop. Mon mari aime les échanges de Pokémon. Si tu aimes collectionner, fais des échanges avec lui. Ok. Bien le bonjour. On se fait un échange Tétarte contre Lipoutou. Ok, non, j'ai ni Tétarte ni Lipoutou. J'avoue qu'un Tétarte, j'aimerais bien l'avoir, Tétarte. Franchement, Tétarte, ouais. Donc là, on a une autre maison. On va fouiller. On va parler à tout le monde. Ah, tellement de temps et rien à faire. Il n'y aurait pas un truc amusant à faire dans le coin? Ah, bah, ça y est, que toi qui peux le décider, Boto. Moi, je suis débordée. Alors, Flagados cogne. Mais non, tu fais n'importe quoi. Oh là là. Je veux une jolie bicyclette. Je la veux toute rouge. Oh, c'est beau, les bicyclettes rouges. Un vélo de ville, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de porte-bagages sur un VTT. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ils n'ont pas des cadeaux à me donner. Ces vélos sont super, mais ils sont très chers. Oui, bon, lui va te vendre un vélo pour 1 million de Poké-Dollars. Donc voilà, chose que l'on n'a pas forcément parce qu'on est tout jeune. On a 11 ans, on est dresseur et on vient de commencer notre aventure Pokémon. T'es un dresseur aussi, capturer, collectionner, combattre, dur, hein. Ouais, dur. Mais génialissime. Alors... Léo a une sacrée collection de Pokémon et des rares en plus. Sacré Léo, il donnerait n'importe quoi pour mettre la main sur un Pokémon rare. Tu devrais aller à l'étage pour faire des échanges avec tes amis. Tu peux avoir plus de Pokémon en faisant des échanges. En plus, les Pokémon échangés grandissent plus rapidement. Ouais, je sais. J'ai la flemme. Tu connais Léo, on raconte que c'est un vrai Pokémaniaque. Les gens sont juste jaloux de Léo. Nous sommes tous un peu Pokémaniaques, non? Oui, c'est vrai. Bienvenue dans notre sorte Pokémon. Voulez-vous que je m'occupe de vos Pokémon? Bien sûr. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Tout, tout, tout. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme. À bientôt. Salut. Ça, c'est fait. Donc, on a visité un peu Azuria. Il y a encore deux maisons à visiter. Après, on va aller au shop acheter des choses. Bon, je crois que lui va nous parler des badges. Ouais. Porter, ouais, tu vois, moi, les badges en étranges pour voir. Dis-moi, lequel des 8 badges veux-tu que je décrive? Aucun, on s'en fout. On s'en fout, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on a trop de dresseurs à battre et on a trop de progrès à faire. Alors, et lui, qu'est-ce qu'il veut, Papinou? En utilisant de la bonne poudre B, je peux préparer toutes sortes de médicaments. Dis-moi si tu connais un peu en B, non. Les B t'intéressent pas, à ton âge, il faut s'intéresser à plein de choses. Bon, je m'en fous. Les B, c'est pas mon truc là. Donc là, hop. Je vais aller acheter quelques objets au shop parce que il y a quelqu'un que j'aime pas beaucoup qui va venir se battre avec nous. Le repousse tient les Pokémon sauvages à l'écart. Mets tes Pokémon les plus costauds en premier pour une plus grande efficacité. Si ton premier Pokémon est fort, l'effet est boosté. Ok, mais ça je savais même pas. Tu connais les super bonbons, on ne les trouve pas à la vente. C'est quand un Pokémon en mange un et gagne un niveau. Ça, c'est cool. On va acheter quelques objets. Bonjour, je peux vous aider? Oui, acheter. Super potion, on va en acheter 3. Oh mince, à chaque fois j'appuie sur l'aide. 2100, 2800, 3500, ça arrive. 5. Non, non, c'est dose. On va acheter quand même quelques petites potions parce que... voilà quoi. Ça et antiparas, c'est pas la peine. Pokéball. 5. Voilà, on garde 800 Pokéball dollars au cas où. Non, on veut pas de Pokéball, on veut plus rien. Donc là, hop. Je sais plus si j'ai soigné mes Pokémon. Vous savez quoi, je deviens chèvre. Ouais, ils sont soignés. Donc là, on va mettre Racaillou. Il a rien appris encore. On va. Ouais, on va mettre Coulant, tant pis. Voilà, on va mettre Coulant en premier.
Et c'est parti. On va monter dans la partie nord d'Azuria. Et là, c'est le début de la fin. C'est la fin des haricots. Vous allez savoir pourquoi dans moins d'une seconde. Là, cette maison a été cambriolée par la Team Rocket, donc on ne peut pas y accéder. Ces pauvres gens, tenez-vous, le Team Rocket est derrière tout ça, c'est sûr. Même les forces de police ont du mal à lutter. Ralalalala, et là, fatalité. Yosha, alors tu t'en sors? Moi c'est le pied, j'ai attrapé plein de Pokémon super puissants, fais-moi voir ce que t'as attrapé. J'ai un racaillou niveau 10, un Magikarp niveau 5. C'est cool. Roucoups, Roucoups. Et pourquoi même Roucoule est le niveau 17 et il n'a pas évolué? Hein? What? Chanos, force de défense. Oh non, mais c'est une blague. Injustice là. Pourquoi lui, le niveau 17, il a évolué? Moi, j'ai pas évolué. Je sais même pas quoi faire, j'ai pas de mots. Voilà, je me suis fait défoncer. Voilà, premier Pokémon défoncé. Je suis dans le caca. Je suis vivata comme ça. Mais what? Pourquoi lui au niveau 17? Il fait plus de dégâts. Heureusement que j'ai acheté des super potions, on aurait dit que je le sentais. Parce que mon racaillou, il aurait été bidon. Enfin, mon racaillou, s'il avait 3-4 niveaux de plus, je l'aurais mis. What? Putain, je suis nulle. Ok. Je vais même pas envoyer bizarre. Je vais me faire défoncer. Bon, bah, racaillou. Vous savez l'angoisse que j'ai? Ça, il fait quelques dégâts quand même. Je suis un bonhomme, j'ai tué Roucoups avec mon racaillou. Racaillou a gagné 411 points d'expérience. Monte au niveau 11, ça c'est cool. Bon. Je me suis renseigné, il est voulu niveau 25, un racaillou. Bon. Voilà, il a pris la bonne attaque, jet de pierre. Bah, alléluia. Racaillou monte au niveau 12, ça c'est un monstre. GG, t'es un bonhomme. Salamèche va être envoyé par Rivali au niveau fuge de Pokémon. Non, il y a des thugs. Salamèche t'a envoyé par Rivali au niveau. J'ai pierre. Griffacier. Oh non, c'est vrai, il a Griffacier. Il vient me tuer. Bye bye. Oh, fin du game. J'ai zappé qu'il avait Griffacier. Putain. Bon, moi j'ai air bizarre. On va lui faire l'empirène. Et là, j'ai l'angoisse de ma vie. Tout va bien, Charline, tout va bien. Bon, au prochain Flamèche, il faut que j'utilise une super potion. Oui, je suis dans le caca. Là, oui. En vrai, mon racaillou, c'est un bonhomme. What the fuck? Allez, crève. Cool. On a battu les deux pires. Les deux que Herbizarre craignait. Après, je me souviens plus des deux autres. Je sais plus qui, là.
Oh, Abra, il est bidon. Non, bah non, je change pas de Pokémon. Abra, il a que téléport, donc ça va. Sur ça, on est sauvé. C'était mal parti ce combat. C'était vraiment mal parti. Ouf, le Abra est mort. Et ah, Rattata, c'est bon. Non, bah non. On n'a plus de Pokémon, mais ça va, Rattata. Rattata, c'est cool. Donc, on a dit qu'on lui faisait Vampigraine. S'il me fait croc de mort, j'ai trop peur là. Foliane, allez. On est des monstres. Ouh. Mimique, c'est bon, alléluia! Des charges. J'ai gagné, je suis un bonhomme, je suis un bonhomme. Hey, tu sais quoi, je suis allée chez Léo, il m'a montré ses Pokémon rares, ça m'a rajouté plein de pages à mon Pokédex. Tout le monde sait que Léo est un Pokémaniaque, il a même inventé le stockage des Pokémon sur PC. T'as qu'à aller le voir. Bon, je trace. Ciao. Allez, ciao. Bon. Ouais, c'est ça. J'ai des boules pour toi, je te jure. T'es toujours derrière moi. Bon, je vais te donner un cadeau, mais c'est une faveur. Obtenu Memoridex. J'ai obtenu Memoridex. C'est parfait pour une pipelette comme toi. J'en ai pas besoin parce que j'en ai rien à faire des autres. Allez, je suis plus là. Ciao. Alors, on avait aussi notre terrible rival. Et là, on va soigner nos Pokémon et essayer d'acheter quelques objets pour se sentir plutôt bien. Hop. Voilà. Et voilà. On va essayer de faire au mieux. Parce que là, surtout mon Rookool, je trouve qu'il a pris bien cher. Puis je comprends pas, moi, mon Rookool, il est niveau 17 et il a pas évolué. Et le sien, il est niveau 17, il a évolué. Injustice. Donc mes Pokémon sont soignés. Bon, les objets, je pense que je vais pas en avoir besoin en soi parce que les dresseurs c'est surtout des scouts. En premier. Non. Oh, j'ai encore du mal avec les touches. Hein. Je suis désolée, je suis régulateur, je fais que des bêtises. Donc là, en premier, on va mettre Rakaillou, même si bon en soi il est pas adapté aux Pokémon insectes. Voilà, on va mettre Rakaillou en premier, ça va l'entraîner un peu. Comme ça au moins, il faudrait que l'objectif est qu'il évolue avant la troisième arène. Donc là, c'est le pont le plus chiant au monde. Hein. Mais c'est le pont pépite, 5 dresseurs le défendent. Bah, allez tous pour remporter un prix faible. Tu crois pouvoir y arriver? Bah oui, je suis un monstre. Moi, j'ai le nez qui gratte. Alors, un combat est lancé par Scout Emeric. Chenipan est envoyé par Scout Emeric. Hop, allez, Rakaillou. Bon, Rakaillou ne servira à rien là pour ce tour-là. On va prendre le cool. Et c'est parti. Bon, la vitesse de recul qui baisse, c'est pas un problème. Et on va lui faire Tornade. Pas mal. Hein. Rookool qui monte au niveau 18. Est-ce qu'il va évoluer? Je crois que oui. Hein. Je crois qu'il évolue au niveau 18. Hein, Rookool. Ça
C'est super efficace, cool. Ceci va être envoyé parce que t'aimerais que vous changiez de Pokémon. Non. Allez, plus qu'un. Oh là là, les scouts, j'en ai marre, les scouts. Si vous saviez, j'en ai marre de mettre des cocons forts. Des cocons forts, des espicots, j'en ai marre. J'en ai marre. Allez, premier battu, Toz. Allez, le... Ah! Enfin... Il évolue mon petit roucoule, ça fait plaisir. Quoi? Roucoule évolue? Félicitations, votre roucoule évolue en roucoups, ça c'est cool. Allez, la deuxième, une fillette. Je suis le numéro 2, ça rigole plus. Hein. Ouh loulou. Si elle a des roucoules, je chaserai Racaillou. Fillette Meg, ouais. Allez, on va utiliser un trémier Racaillou un peu. Il a jet de pierre, donc ça va le faire. Puis il craint pas les tornades, ni les vives attaques, ni les attaques de type normal, donc ça va, c'est cool. Ça lui fait pas masse de dégâts, hein, ça lui fait rien même. Puis c'est plutôt pas mal, hein, ce recoule. C'est un bonhomme à cailloux. Niveau 13. Mystère va être envoyé par Fillette Meg. Là par contre, oui, je vais changer de Pokémon, sinon on va se faire défoncer le petit racaillou. Et on va prendre Roucoups. Et après, il faut vraiment que j'entraîne le Magikarp. Parce que là, je l'ai un peu laissé tomber, le Magikarp. C'est super efficace. Roucoups a gagné 189 points d'expérience. C'est cool. Chetiflore va être envoyé par Fillette Meg. Non, on change pas de Pokémon. Les Chetiflore. C'est Roucoups. Allez, Tornade. Franchement, je suis fière de mon équipe. Hein. J'ai une super team, je trouve. Bon, après, est-ce que sur Ondine, ça va le faire? On sait pas. Hein. Mais j'espère. Allez, troisième. Je suis le numéro 3, c'est pas gagné. Bon, est-ce qu'il va me sortir les ratatas cette fois-ci? Oh, certainement, à mon avis. Ça, non, ça blette, ça blette. On va changer de Pokémon de suite. Alors, Pokémon... Air bizarre, hein. Pour ça blette, c'est air bizarre. Un beau va être envoyé par Garin. Si vous voulez vous changer de Pokémon, oui, on va prendre un Roucoups. Intimidation d'abord et puis l'attaque du Roucoups. Attaque, on va faire Tornade. Roucoups est empoisonné et Roucoups souffre du poison. D'accord. Et étreinte. Ouloulou. Ah, et ligotage, mon dieu. Ouais. J'ai pas d'antidote sur moi si j'en ai. Donc ça va le faire.
Première chose. Oups, j'ai mal appuyé. On va soigner notre ami Roucoups. Antidote est utilisé sur Roucoups. Hop, allez. Quatrième dresseur. Bon, je suis sûre que c'est une fillette qui va nous sortir, c'est Nidoran, ça c'est sûr et certain. Fillette Lana, Nidoran femelle. Ouais. Non, c'est le mâle là. Charlène, une bonne nuit. Je suis à l'ouest. Ouais, j'ai de pire, c'est plutôt pas mal hein, comme attaque. Moi j'aime bien les attaques de type proche. Après voilà, le problème c'est que les racailloux et compagnie sont très, voire trop craintifs. Mais voilà, contre des Pokémon de type sol, poison, c'est cool, hein. En plus, ils montent vite en niveau, c'est cool. Bravo racailloux. Nidoran, femelle. Allez, on change pas de Pokémon. Je regrette pas d'avoir pris un racailloux, franchement, non. Allez, j'ai de pierre. Oh non, Racaillou a raté son attaque. Bon, c'est pas grave, Racaillou. T'es un bonhomme. C'est moins efficace sur la femelle que sur le mâle. Hein. On va massacrer, c'est cool. Allez, on a battu la fillette, c'est cool. Allez, numéro 5. Ok, je suis numéro 5, je vais t'écraser. Prends pas trop la confiance, mon pote. Hein. Je crois que lui, il a, de mémoire, il a un ferro-singe. Ouais, je crois qu'il a un ferro-singe. Oh là 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 là. J'ai rien trop fort, t'as trop bonne mémoire. On va prendre alors les Pokémon de type combat craignent le vol, donc on va prendre la Miroucoups. Tintin. Ferrocin, j'utilise combo griffe. Cool. Toucher 3 fois et tornade. Balayage. Ah le mec. What? Il a pris la confiance. On va. Quoique. On joue la carte de la sécurité. Non, on est des bonhommes, on va le faire vive attaque. Charlène qui respecte plus rien. Ok, il gagne 142 points d'expérience et recoupe ceci. Ok. Allez, on a battu les 5, maintenant on va battre le boss. Le 6ème, qui est un membre de la TR. TR, c'est là. Bon, on va aller au centre Pokémon. Hein, parce que les super potions, ça va coûter hyper cher. Qui est un membre. Oui, c'est un membre de le Team Rocket, les amis. Donc voilà. On va le terrasser. On est des bonhommes. Voilà, donc c'est parti. Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs, tu as gagné un fabuleux prix. Une pépite. Charlène, mes pépites dans objet. Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon. Ça t'intéresse? Vraiment? Allez, viens, bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois, je vais devoir me montrer plus persuasif. Tu vas te faire défoncer, mon poteau. Sbire de la Team Rocket. On veut se battre contre vous. Abo est envoyé par le sbire de la Team Rocket.
Tu m'impressionnes même pas avec ton rabot. Bon, j'ai la flemme de changer de Pokémon, j'ai envie d'utiliser mon Rakaillou deck, donc je vais faire ça. Je sais même pas si ça va faire de l'effet. Je crois pas. Hein. Ouais. On est lancé. What? On était lancé. Hein? Bon. Ne pas prendre de risque. Règle numéro 1. Ah, Rakaillou, tu m'as fait de la peine. Nassau à pied va être envoyé par Sbire et Team Rocket. Non. C'est bon, on vous coupe si votre masse. Je sais pas qui c'est le camion qui fait du bruit dehors, mais faut pas la confiance non plus. Hein. On a massacré le gars, le sbire. Tu pourrais vite devenir un chef de sa team Rocket. Allez, je te laisse y penser. Ne laisse pas passer cette chance. Non, on ne rejoindra pas la team Rocket parce que nous sommes des gens gentils. Voilà, du coup, ma Poppy Family, j'espère que cette première. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se laisser là. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais plein de Poppy bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Pokémon version rouge feu. Bisous à Poppy Family.